Alors, je vous laisserai deviner cette expression célèbre à travers ce passage que l'on va lire, à savoir dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, au verset 15 à 26. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « N'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate répliqua « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié ». « Mais quel mal a-t-il fait ?» dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Voyant qu'ils ne gagnaient rien mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est vous que cela regarde ». Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Donc je pense que à travers ce texte, vous avez deviné cette expression dont on se sert parfois pour clamer une certaine pureté ou innocence, cette expression de « s'en laver les mains ». Alors, lorsque j'avais commencé pour la première fois à lire sérieusement l'Évangile, c'est vraiment ce passage-là qui m'a marqué. J'ai pleuré à la fin, quand j'ai pu constater que Jésus était bien ressuscité, mais là-dedans, j'étais vraiment en colère. Et j'espérais vraiment que Jésus soit innocenté. Mais ce ne fut pas le cas. En fait, à travers cette expression sans laver les mains, il y a énormément de choses à dire. C'est extrêmement riche tout ce qu'il y a derrière, tout l'arrière-plan qu'il y a, et puis les conséquences à venir. En fait, à travers ce passage. Il y a, et cette expression notamment, on va dire qu'il y a trois vérités qui dérangent. Entre autres, Jésus, la patate chaude. Parce que ce qui se passe dans l'histoire, c'est que personne, ni les juifs, ni les autorités romaines, ne veut traiter ce cas de Jésus. La solution, pour les juifs, c'est la mort, point barre. Alors, à travers ces trois vérités qui dérangent, c'est que c'est que l'humanité, eh bien, encore aujourd'hui, vit des parodies de justice. Autre vérité, c'est que quand on est face à la vérité, eh bien, on perd plus qu'on gagne à taire la vérité. Et la troisième chose qu'on verra ensuite, c'est que se laver les mains peut rendre propre, mais ça rend ni pur ni juste. Alors, quand je dis que l'humanité peut vivre des parodies de justice, c'est vrai que même avec les dernières actualités qu'il y a eu, notamment dans les décisions de justice ici même ou même à travers le monde, bien, on a du mal à s'y retrouver. Même moi, aujourd'hui, je me perds dans cette notion de justice à voir. Mais bon, qu'est-ce que je fais de juste? Qu'est-ce que je fais qui n'est pas juste? Parce que oui, ça m'est arrivé de faire des choses pas très, je dirais, cachères, si on entre dans cette culture juive. Mais parfois, bien, il y a cette tendance à me rassurer en me disant, si cette société ne me dit rien,
Donc, bah, tout va bien, c'est juste. C'est pour vous dire que le mois dernier, il y avait eu cette affaire de refus d'obtempérer. C'était un chauffard qui était sorti de prison et puis qui était avec d'autres personnes et des policiers l'ont arrêté, mais il a préféré continuer. Et puis il y a eu des victimes, et dont lui, il s'est fait tirer dessus. Et c'était une affaire compliquée, notamment pour la police, parce qu'on pointait la police du doigt. Je ne sais pas ce qui s'est passé les jours suivants, si l'autorité policière a préféré essayer de calmer le jeu dans ses attitudes. Mais c'était un mardi le mois dernier, je devais accompagner ma chère et tendre chez le psy. Et par distraction, j'ai grillé un feu à un croisement là-bas. Et je me suis arrêté au rond-point net pour laisser passer des voitures. Et juste derrière, il y avait une voiture de police. Ils sont passés juste à côté. On a dû baisser les vitres. Et moi, comme ça, je levais les mains, comme si vraiment j'allais me faire arrêter. Et puis il y avait deux policiers à bord et qui posaient la question. Mais vous n'avez pas vu le feu? Vous venez d'où? Puis on leur a répondu, ben on habite à côté. Vous connaissez le chemin, vous connaissez l'endroit. Alors donc pourquoi vous avez grillé le feu? Et donc ma chère et tendre qui répondait, désolé, excusez-nous vraiment. Je l'ai distrait et puis il a pas fait attention. On est désolé. Moi je m'apprêtais à continuer un petit peu le chemin pour me mettre sur le bas-côté et puis me faire contrôler. D'ailleurs je me souviens pas si j'avais mes papiers à ce moment-là. C'est dire le moment de panique que j'avais. J'étais dépité, en plus j'étais pas de très bonne humeur. Je dis bon, ben voilà, et je priais dans ma tête, Seigneur. Voilà, la journée commence bien, fait que ça puisse se passer bien par la suite. Je serai sanctionné, je l'accepte. Ben finalement, la police est partie. Voilà, ils ont dit bon, recommencez pas, et ils ont filé. Et puis ben nous, on a continué notre chemin. C'était un gros ouf de soulagement, merci Seigneur, mais j'avais pas de quoi être fier. Donc, dire que c'était assez perturbant parce que je me suis dit, mais normalement, je devais être sanctionné, c'est pas possible. Et pourtant, je me posais la question, ben oui, merci Seigneur, mais bon, c'est quoi cette justice? C'est compliqué. C'est dire que l'influence de la société, que la société peut avoir sur les autorités. Et c'est le cas. C'est le cas ici où une société juive qui est occupée par un grand empire qui est Rome et qui arrive à avoir une influence sur Ponce Pilate. C'est pas non plus un hasard parce que derrière tout ça il y a beaucoup de choses. C'est dire que c'est peut-être l'erreur des autorités romaines d'avoir permis à ce que la loi juive soit appliquée dans certains cas. Donc, pour le coup, deux lois étrangères sur un même territoire, deux lois sur un même territoire, deux lois différentes sur un même territoire, ça peut être compliqué. Et justement, Jésus avait renvoyé dans les cordes quelques temps avant. Ses collègues, bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, pour justement rétablir l'ordre dans cette question de justice. Donc c'est pour dire que l'autorité et l'opinion dans ce passage sont extrêmement mises à mal. Et d'autant que, en termes de justice et vérité, bien on s'y perd également. D'autant que chez les Romains,
Il y a ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine. Et ils sont aussi conscients de ça que les foules, que les masses peuvent avoir une grande influence. Il y a eu cette crise, notamment à Rome, qui a poussé l'empereur à cette expression aussi célèbre du pain et des jeux. Et Ponce Pilate, conscient de la situation qu'il y a avec Jésus, a renoncé à innocenter Jésus. D'autant que Ponce Pilate n'était pas non plus dans une position très favorable parce qu'il était finalement pris au piège. S'il relâchait Barabbas, les Juifs avaient ce moyen de pression de s'adresser à Rome et de dénoncer les agissements de Ponce Pilate. Donc, oui, c'est compliqué. Comment pratiquer la juste justice tout en sachant la vérité? Ce qui fait que, par rapport à la vérité, et on en vient à cette autre vérité, qu'on perd plus qu'on gagne à terre la vérité. Et c'est ce qu'a fait Pilate. Et à travers le passage, même sa femme confirme que Jésus est innocent. Donc elle dit que cet homme est juste, mais juste dans le sens grec, homme de bien. Et qui est différent du sens juif. Donc, les positions autoritaires, les positions politiques, peuvent donner un certain pouvoir, mais c'est pas pour autant que la vérité pourra être dite. C'est dire que finalement, entre ce qui s'est passé là et ce que l'on vit aujourd'hui, le monde n'a pas tout à fait changé. Et n'a même pas du tout changé. C'est qu'on essaye de pousser la vérité. On a des journalistes, on a notamment des journalistes d'investigation, on a des personnes qui élèvent leur voix pour dénoncer des choses, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans d'autres milieux artistiques, politiques, etc. Mais il y a toujours une résistance pour faire taire la vérité. Et ce que constitue la justice et les autorités politiques sont pourtant ces garants de cette justice, et malheureusement, bien parce que ces personnes qui sont dans ces hautes sphères n'ont pas forcément des bagages très très propres, et résultat, sous la pression, sous le coup de la corruption, la vérité finit par être étouffée. On perd plus qu'on gagne à terre la vérité, notamment dans cette partie du texte qui m'a notamment énormément marqué, c'est à savoir ce que les Juifs ont proclamé. Parce que Ponce Pilate s'est lavé les mains, et ça, ce geste n'est pas inconnu des Juifs, parce que c'est une pratique pour proclamer l'innocence et proclamer que le sang ne retombera pas sur eux. Mais là, ce que les Juifs ont fait d'audacieux, mais même de choquant, en pensant que ça ne leur arrivera jamais, c'est dire que le sang de Jésus retombe sur nous. Alors, on peut dire que dans la Bible, on a quand même des champions de la parole, de malédiction et d'automalédiction. Et ça m'a fait penser notamment à dans un temps
un peu plus, pas forcément lointain, mais un peu plus proche, notamment dans les Actes des Apôtres. Ces 40 juifs, enfin, ils étaient même un peu plus de 40, qui ont décidé de jeûner tant que Paul n'était pas exécuté. Voilà, parce qu'il y avait ce complot sur Paul qui a été déplacé à Césarée pour être jugé. Leur idée, c'était d'assassiner Paul et de se dire, on jeûne, sinon on meurt. Tant que Paul est vivant, on continuera notre œuvre. Et c'est assez terrible d'avoir ce genre de paroles de malédiction, parce que c'est une parole de malédiction. Spirituellement, ce n'est pas n'importe quoi. Et les conséquences peuvent être très très graves. Et ce qui fut le cas, notamment pour les Juifs par la suite. Et je peux vous renvoyer notamment à la prédication de la semaine dernière, « Qui sème le vent récolte la tempête ». Eh bien, cette parole de malédiction, que le sang de Jésus retombe sur nous, bien, se met plus que du vent. On est encore dans cette réalité d'aujourd'hui, parce que on ne dit plus forcément que le sang retombe sur nous, parce qu'il y a cette propension. Pour beaucoup de gens, à jurer sur la tête de leurs proches, surtout des gens qu'ils aiment. Récemment, j'entendais sur la place des jeunes jurer sur le Coran de la Mecque, ou même jurer sur la tête de leur mère, jurer au nom de Dieu. Pas plus tard qu'en début d'année, j'étais parti chercher un colis dans l'épicerie d'à côté, et il y avait un frère qui, enfin un frère, un jeune homme qui était en train de disputer sa sœur parce qu'elle traînait avec un ami. Et ça a été au nom de Dieu, il n'y a rien entre nous. Au nom de Dieu, sors de ce magasin où je te casse la figure. Face à ça, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais intervenir? Est-ce que je vais balancer? Je vais prendre le sac de riz qui est près de moi et puis balancer pour les séparer? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est dur à entendre ce genre de paroles, de se dire que ces personnes-là pensent être absolument dans une vérité et seraient prêts à vendre père et mère pour prouver qu'ils ont raison. La conséquence de cette parole des Juifs, c'est assez terrible, notamment ce qui s'est passé en 70 avec la destruction du temple de Jérusalem. Il y a eu notamment énormément de beaucoup de viols. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que des femmes se sont retrouvées enceintes. Et il était difficile de savoir qui était le père, ce qui a amené par la suite les Juifs à dire que les enfants ne sont plus juifs par le père, mais juifs par la mère. Donc il y a eu cette matrilinéarité qui a été instaurée suite notamment à ce drame. Et beaucoup de gens pensent, même jusqu'à maintenant, que la souffrance que les Juifs peuvent endurer aujourd'hui est issue de cette parole de malédiction. Alors, je disais, pour enchaîner sur la dernière partie, que se laver les mains rend propre, mais ça ne rend pas pour autant pur ou juste.
Alors, moi, depuis tout petit, je suis un adepte du lavage de mains. Et ça, c'est à cause de mon père. Parce qu'il ne supportait pas que je le touche quand j'étais petit parce que j'avais les mains moites. Donc, dès que je le touchais, il me disait, va te laver les mains. Il était obsédé par cette idée de se laver les mains. Dès qu'on rentre à la maison, on se lave les mains. Si on va jouer dans le jardin et qu'on rentre à la maison, hop, tout de suite, on se lave les mains. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, pour le coup, je suis devenu assez méticuleux pour ça. Et avec, notamment, le contexte actuel, bien, c'est vrai que ça m'a demandé de redoubler de vigilance, surtout avec des proches que j'ai côtoyés qui se sont retrouvés dans une santé fragile. Alors, cette prédication aurait pu même tourner un discours très très moraliste et donneur de leçons, disant, en résumant, oui, voilà, ben, vous vous lavez les mains, voilà, c'est propre, mais vous n'avez pas le cœur pur. Voilà, c'est assez réducteur, mais il s'agit d'aller beaucoup plus loin dans cette réflexion de cette expression sans laver les mains, parce que Jésus à travers ça met en lumière toutes les pratiques, tous nos travers. Tout ce à quoi nous sommes confrontés jusqu'à maintenant. Parce que se laver les mains, ça, voilà, ça reste essentiel. C'est une question d'hygiène. Dans la pratique juive, il y avait ce côté aussi symbolique. Mais ce que Jésus a voulu pointer, c'était notre pureté de cœur. Et par son sacrifice, justement, parce qu'il y a une issue possible, justement, derrière ça, c'est que au-delà de ce lavage de main, il y a ce lavage par le sang. Parce que beaucoup aussi disent que, outre le fait que les Juifs sur place demandaient sa mort et que le sang retombe sur eux, ça pouvait aussi signifier que ce sang de Jésus qui retombe sur eux, ben, que ce sang, bien, lave non pas que les juifs, mais toutes les autres pécheurs qui cherchent à se repentir et qui acceptent Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que derrière cette scène qui est épouvantable, qui est choquante, bien, je me suis rendu compte, mais beaucoup plus tard, quand j'ai un peu plus avancé dans la foi, que finalement, Dieu était au contrôle de tout cela. Dieu savait tout cela. Dieu savait ce qui allait se passer. Et puis c'était même déjà écrit d'avance, notamment dans les livres des prophètes. Et c'est dire que Dieu savait ce qu'il faisait et jusqu'au bout. Par ailleurs, même bien avant, Caïphe, le grand prêtre, avait fait une proclamation, non pas de malédiction, mais disait qu'il serait notamment préférable qu'un seul homme meure pour toute une nation, plutôt que ça soit toute la nation qui soit décimée par l'Empire romain. Mais ça, cette parole ne venait pas de lui. Il l'a dite, mais ça ne venait pas de lui. Donc pour vous dire que ce que Jésus pointe du doigt, voilà, c'est cette pureté ou cette innocence qu'on peut revendiquer à tout moment.
C'est pas évident. Parce que parfois je me le dis, même devant vous, tel que je me présente, oui, je suis au service de l'Église, je suis à votre service au nom de Jésus. Vous pouvez me voir comme quelqu'un de sincère, d'honnête, pur, mais ça ne m'empêche pas de griller des feux rouges, que je sois à pied ou en voiture. Ça ne m'a pas empêché de pester contre certaines personnes qui n'ont pas fait des choses justes. Voilà, je suis malheureusement, je suis comme ça, mais je prie Dieu pour ne plus l'être, parce que c'est dur. Alors, bien évidemment, il me voit me laver les mains régulièrement, mais il sait que j'ai besoin d'être purifié par son sang, d'être purifié par sa parole. Alors, c'est pas évident. Et certaines personnes même se disent, bien, je retournerai à l'Église quand je me sentirai beaucoup plus pur, beaucoup mieux. Mais voilà, partir dans cette logique, on finira jamais par aller à l'Église. Voilà, c'est ce qu'à un moment je me suis dit. Quand j'aurai plus de temps, ou quand je me sentirai beaucoup mieux dans ma tête, ou quand je me sentirai moins pécheur, alors, ou plus pécheur du tout, je reviendrai à l'Église. Bien au contraire, venir à l'Église, eh bien, c'est se confronter à cette patate chose qu'est Jésus, histoire qu'il nous mette bien des patates, de bonnes patates spirituelles dans le crâne et dans le cœur, pour pouvoir nous ressaisir, pour pouvoir nous rendre compte de cette vérité, pas de notre vérité, mais de sa vérité. Et cette purification. Voilà. Je ne dis pas qu'elle doit passer par l'Église, mais qu'elle peut aussi passer par l'Église si vous entrez, si vous êtes tenté d'entrer dans cette logique. Je n'entrerai pas dans l'Église tant que je n'aurai pas accompli telle ou telle chose. Non, bien au contraire, c'est que l'Église est là aussi pour vous aider dans ce chemin de repentance et de sanctification. Et si vous vous dites, et c'est normal que c'est plus facile à dire qu'à faire, qu'il y a des situations inextricables, que vous n'y arriverez pas. En effet, il y a beaucoup de situations dans lesquelles vous n'y arriverez pas. Et j'ai pu l'expérimenter, parce que c'est plus fort que nous, et qu'avec même nos propres forces, on ne peut rien faire. Moi, je voudrais vraiment me pencher sur cet instant qui a suivi, où Jésus est sur la croix avec deux autres personnes, et notamment un des brigands. Et c'est vous dire à quel point l'œuvre de Dieu, c'est jusqu'au bout. Il ne fait jamais les choses à moitié, c'est qu'il va jusqu'au bout, et il va encore même au-delà. C'est que même un des brigands a reconnu ses fautes. Il a reconnu cette justice qu'il a méritée, et il s'est adressé à Jésus en ces termes: souviens-toi de moi quand tu régneras. Et Jésus lui a fait cette promesse: aujourd'hui tu es déjà au paradis. Et je me souviens de ce jour de vendredi 10 où je suis tombé sur ce passage, où je me suis mis à pleurer. Mais j'ai pas du tout éclaté en sanglots, mais les larmes sont venues comme ça, et impossible de les arrêter. Je ne me sentais ni triste, ni joyeux, j'étais plutôt attentif à cette parole, happé par cette parole, mais les larmes ne s'arrêtaient pas de couler. Je me disais que, j'avais le total contrôle de moi-même, mais je n'avais pas ce contrôle des larmes. C'est dire qu'il y a cette possibilité d'être purifié par le sang. Alors, bien évidemment, frères et sœurs, ce que je souhaitais à tous, c'est que même durant cette période encore spéciale qui dure depuis 2 où on a recours au masque et en plus au gel hydroalcoolique dont les Juifs et les Romains ne disposaient pas à l'époque,
bien, c'est qu'on puisse continuer à découvrir encore plus ce Dieu, ce Père qui nous aime tant. Et même si il a cette capacité à tourner en ridicule nos mauvais penchants, eh bien, il nous donne cette possibilité de nous en sortir. Parce que, voilà, à travers ce passage et à travers bien d'autres, c'est une histoire d'amour avec Dieu. C'est une véritable histoire d'amour à vivre, une histoire d'amour dans laquelle il prend chacun de nous au sérieux. Et à travers ça, bien, Jésus a accepté de prendre ce châtiment et de prendre notamment le pire du pire de l'homme. Parce que, à mes yeux, ce qui a été notamment raconté dans ce passage, c'est, à mes yeux, le pire du pire de l'homme. Et on vit à une époque où on est vraiment dans le pire du pire, où même moi je me questionne encore sur cette justice humaine qui est instaurée, qui parfois fait de bonnes choses et qui parfois fait des choses assez discutables et qui parfois fait des choses très intolérables. Mais je m'en remets à Dieu pour avoir vraiment ce discernement et nous permettre de nous sortir de situations inextricables. Et voilà, j'ai aussi bien cette parole dans Hébreux 10, 22, de nous approcher donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen.